Hey, regarde, regarde. Hey, mais prostituée sur la photo. Et on va au groupe de classe. Ouais. Les ordures, regarde ce qu'elles ont fait. Qu'est-ce qu'il y a? Elles t'ont prise en vidéo quand t'étais en train de te changer dans le vestiaire. On dirait que je suis à poil et elles disent n'importe quoi. Pourquoi elles disent que je me prostitue? Elles te l'ont envoyé qu'à toi, sur moi. Non, à tout bahut. Oh mon dieu! Mais t'inquiète, personne va y croire. Elles ont dit que je me prostituais. Laisse-moi tranquille, je te rejoindrai à la cantine ce midi. T'es sûre? Oui. Près de 500 ans, on nous a menti. Non, contrairement à ce que les médias de masse et les programmes scolaires peuvent nous dire, la Terre n'est pas un globe, la Terre est plate. Et la vérité va encore plus loin. La Terre est une pizza géante. Regardez cette image, on reconnaît bien les différents continents. Voilà la vérité qu'on nous cache depuis très longtemps. Je le répète, la Terre est une pizza. Croyez-vous réellement que l'homme le plus criminel de l'histoire du monde est mort? Son corps n'a jamais été retrouvé. Il y a bien une raison à cela. Hitler a été congelé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant d'être décongelé en 2019. On le voit notamment sur cette photo récente, en train de jouer au basketball, ou sur celle-ci, en train d'acheter du pain. L'homme n'a jamais marché sur la Lune. C'est une mise en scène tournée à Hollywood. En vérité, la Lune a disparu depuis longtemps. Quand j'étais petit, j'adorais regarder la Lune. Et je me suis aperçu quelque chose d'étrange. Elle change de couleur, elle change de taille. Et je me suis dit que quelque chose clochait. C'est là que tu regardes, mais c'est n'importe quoi. J'ai fini par découvrir qu'effectivement, la vidéo, c'était un éclair. Et tu fais quoi là? Avec ça, ça ira mieux. Aïe! Bon, on va au cinéma. Vous avez perdu la tête ou quoi?
Et nous? T'es habillé ce matin? T'es pas à poil comme sur la photo? Vous avez vu la photo? Ouais. C'est facile. En vérité, la Lune a disparu depuis bien longtemps. Attends, tu vois, une microseconde ou une seconde et demie. Ouais, j'en suis con dans ta tête. Mais si, après, je sais plus quoi faire. Après, bah après, elle est super. Attends, on a vu les différents effets spéciaux et comment on les réalisait. Les théories du complot, les infox. Le travail de journaliste. Du cyberharcèlement, du harcèlement au collège, dans les rues et sur internet. J'ai appris que les conséquences de la manipulation, comment manipuler quelqu'un. Moi, je suis content, j'ai appris à manier une caméra, une perche. On a joué des rôles, on a créé des décors. On lance ce projet pour pouvoir à la fois permettre aux jeunes de découvrir le cinéma, comment on réalise un film. Et le deuxième objectif, c'est aussi de leur montrer que derrière l'image, il n'y a pas forcément la vérité. On peut manipuler une image, qu'on peut traiter l'information de manière biaisée et leur apprendre à se méfier de ce qu'ils peuvent découvrir sur les réseaux sociaux et leur apprendre à avoir un esprit critique par rapport à l'information. Ce qui m'a le plus choqué, c'est détourner les images pour les infox. Je trouve que c'était abusé. J'ai beaucoup aimé découvrir les effets spéciaux que je connaissais pas et j'ai aimé aussi écrire les scénarios. C'était bien, on a appris des choses et on a utilisé plein de trucs, plein de choses. Moi j'avais déjà fait ce projet il y a 4-5 ans, mais j'avais déjà découvert ce monde, mais j'ai appris encore plus de choses. On coupe pas. J'ai chaud. J'ai chaud. Je suis pas forcément sociable, mais j'aime bien rencontrer des gens, donc c'était bien. Je me suis fait des amis comme ça. La coopération, le travail d'équipe, tout ça, j'ai kiffé. Ça m'a vachement plu.